Bon, j'ai été sacrément inactif ces derniers temps, mais j'ai deux raisons. La première, et la deuxième, c'est que j'ai passé mon brevet blanc. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis en troisième. Or, qu'est-ce qu'il se passe en France en fin d'année? Il y a le brevet. Du coup, les collèges sont obligés d'organiser un entraînement qui s'appelle le brevet blanc, mais ça vous le savez sans doute déjà. Mais il y a un truc qui fout sacrément la pression quand on va passer ce fameux entraînement, c'est que tout le monde dit que c'est plus dur que le brevet. Donc, en début d'année, je me dis, easy, j'ai le temps. Puis on arrive très rapidement, un mois avant. Et là, c'est la panique. J'avais déjà révisé pendant les vacances d'hiver, mais là, il fallait vraiment que je me mette sérieusement à apprendre mes cours. Comme l'histoire géo, par exemple. Par exemple, hein. Mais bref, du coup, pendant 2 semaines, j'ai énormément révisé. Mais je ne connaissais toujours pas bien mon cours de géographie. Mais du coup, j'étais en stress à cause d'une méta du brevet. L'épreuve d'histoire géo est composée d'une étude de doc et d'un paragraphe argumenté. Ça peut tomber soit sur l'un, soit sur l'autre. Exemple, si l'épreuve d'histoire est une étude de document, dans ce cas-là, l'épreuve de géographie va être un paragraphe argumenté, et inversement. Mais du coup, moi je priais pour que l'histoire soit un paragraphe argumenté et que la géo soit une étude de doc. Est-ce que mes prières ont fonctionné? Vous le saurez après la pub. Je rigole. Mais j'y viens plus tard. Par contre, pour les autres matières, j'étais paré. J'avais même révisé un peu de grammaire. Mon brevet blanc s'est passé un mardi et un mercredi. Donc tout le monde était un peu en stress et faisait des blagues nulles du genre « À demain, c'est le brevet blanc !» Comment ça, il y avait que moi qui faisais ces blagues Oui bon, d'accord, j'ai fait... Bref, quand je suis entré dans la salle, j'ai vu les feuilles d'examen et là j'ai bugué. C'est quoi ça? C'est pour nous faire stresser encore plus? Mais bref, c'est pas le sujet. Donc la première épreuve était l'épreuve de français. Tout s'est bien passé jusqu'à la dictée. Bon, déjà que moi de base j'ai un orthographe de merde, j'étais pas du tout confiant. Bah au final, elle était pas du tout difficile. Sauf cette phrase. Cette phrase qui a fait débat pendant tout le long du midi. C'était les fruits de l'arbre à pain. Dans ces cas-là, toute personne sensée écrirait pain. P-I-N. Mais non, 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 c'était le pain comme celui qu'on mange. Du coup, les seuls qui ont eu le point à cet endroit-là, c'est ceux qui savent pas écrire. Bon, j'en fais peut-être un peu trop, parce que ça se trouve, il y en a des gens, ils l'avaient vraiment bien écrit, parce qu'ils savaient que ça s'écrivait comme ça. L'après-midi, c'était les... Bon, je mets peut-être un peu trop d'entrain. L'après-midi, c'était les mathématiques. J'ai pas eu trop de difficultés de ce côté-là, mais je vous montrerai mes résultats en short. On a fini les cours à 15h30. Youpi! Merci le brevet. Mais bon, pour tout le monde, c'était direction la maison pour réviser. Le lendemain, la première épreuve était la fameuse épreuve d'histoire géo EMC. Oui, il y a de l'EMC au brevet. Donc, c'est la distribution des copies et la terreur. Je vois la tête de Staline. Ce qui veut dire que c'est une étude de doc. Or, ça va être un paragraphe argumenté pour la géographie. Et c'est bien ce qui s'est passé. Du coup, je compte pas sur la géographie pour faire monter ma moyenne. Au final, l'histoire et l'EMC, ça s'est bien passé. Après la récré, on avait la dernière épreuve du brevet blanc. L'épreuve de physique-chimie. Franchement, c'était clairement la plus facile. Au début, c'était très mal parti puisque on n'a pas reçu la feuille de physique. Du coup, on a été obligé de commencer par la SVT alors que normalement, on est censé pouvoir choisir par laquelle on commence. Mais bref, du coup, on a été obligé de commencer par la SVT qui était, ma foi, super simple. C'est-à-dire qu'il y avait toutes les réponses dans les documents. C'était une étude de doc super simple. Ensuite, la physique, c'était juste une vaste blague. Quand j'ai commencé à faire les exercices, je me suis rendu compte que je les connaissais déjà tous. Après l'épreuve, quand tout était fini, je suis allé voir et la plupart des gens connaissaient déjà les exercices comme moi. Avec un pote, on est allé voir en permanence et effectivement, c'était les exercices d'entraînement mis à disposition en perme. Mais bref, je ne connais toujours pas mes notes et je prie. Maintenant, la prochaine épreuve de troisième, c'est l'oral blanc. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo dessus. Ah oui, et j'ai aussi demandé à un chaman qu'à chaque fois que vous vous abonnez et que vous likez mes vidéos, vos prochains examens se passent nickel. Donc, il vous reste plus qu'une seule chose à faire. Et moi, je vous laisse à la prochaine. Tchuss !